Bonjour, Monsieur le Président. Veuillez vous asseoir. Accusé, levez-vous, venez à la barre. Vous appelez Madame Marilyn Nethillé. Oui, c'est bien ça. Je vais vous lire l'acte d'accusation. En Martinique, le chien a été pendant longtemps notre ennemi absolu. Il gardait les esclaves sous la plantation. Il pourchassait les marrons. Depuis, il est devenu notre ami. C'est une femme, une vieille femme, qui promène son chien. Soudain, on la voit se pencher en avant, torturant jusqu'à la grimace ses articulations rebelles. Mais elle force, et elle y arrive. Elle ramasse la crotte de son chien et la met dans le récipient qu'elle possède spécialement pour ça. Madame Marie-Lille Etilly, cela se passe à Paris, 13e arrondissement. Vous avez des chiens qui défèquent partout et n'importe où, qui salissent tout et n'importe quoi, sauf, bien entendu, les abords de votre maison et votre maison elle-même. Mais tant pis pour les voisins. Ils n'ont qu'à aimer les chiens. Et lorsque vous allez à la campagne et que vous les lâchez en toute liberté pour leur permettre de profiter de l'espace et de l'air pur, tant pis si, en passant, ils s'amusent à tuer quelques moutons. Le propriétaire de ces moutons n'a qu'à aimer les chiens. Sinon, il sera traduit devant le tribunal correctionnel. C'est parce que vous êtes incapable de canaliser l'amour que vous avez pour vos chiens, c'est parce que vous êtes incapable d'assumer les devoirs que cela impose, que vous comparaissez aujourd'hui, Madame Etilé, devant le tribunal de lui-même. Veuillez vous asseoir. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur. Une affaire de chien, on dirait. Je croyais qu'il n'y avait que le France Antille qui faisait des... pour vendre, faisait des petits problèmes de... parlait des chiens écrasés. Il semble que non. Le tribunal aujourd'hui va parler de chiens et de moutons. Et plus spécialement, Monsieur le Président, vous avez traduit Madame Etilé devant le tribunal, parce qu'apparemment elle aime bien les chiens. Elle aime bien les chiens. Elle les caresse et il semblerait que, comme elle n'a pas d'homme, finalement, le chien, je ne dis pas que le chien lui rend service, attention, mais si le chien est son compagnon privilégié. Monsieur le Président, cette affaire de chien errant est une affaire grave à la Martinique. Ça fait des années que l'on entend parler de chiens qui tuent les moutons, la volaille et autres animaux destinés à la casserole. Et ça fait des années qu'il y a des agriculteurs, des éleveurs qui laissent tomber ce métier parce que il n'arrive pas à trouver la solution pour éviter que leurs bêtes ne soient tuées par des chiens errants. Il faut savoir, Monsieur le Président, qu'un chien errant, les textes sont clairs. La loi dit clairement que un chien qui est à plus de 100 mètres, à plus de 100 mètres de chez son propriétaire, est un chien errant. Qu'il est collier ou pas collier, à partir du moment où le chien se trouve à plus de 100 mètres, il est un chien errant. La loi également, Monsieur le Président, fait obligation aux municipalités d'organiser
l'information des citoyens sur ce qu'il a mis en œuvre pour régler le problème des chiens errants. Alors, Monsieur le Président, vous travaillez dans ce dossier. Je suis allé dans 3 ou 4 mairies, voire 5, pour poser à la mairie, pour demander à la mairie, compte tenu que la loi vous fait l'obligation de m'informer de ce que vous avez mis en œuvre pour éviter le problème causé par les chiens errants. Et je dis bien que ce problème, Monsieur le Président, est public, est d'ordre public. Aucune municipalité, aucun salarié de la municipalité où je suis allé n'a pu me dire quelles étaient les dispositions que la mairie, que le maire a pris pour pouvoir éviter cette affaire de chiens errants dans sa commune. Et mieux, si vous vous baladez quelquefois le soir, Monsieur le Président, et que vous passez devant les mairies, vous verrez qu'il y a des chiens errants à la porte des mairies. Également à la porte, je ne sais pas si c'est votre chien, mais à la porte des églises. Les femmes ne vont plus à l'église, mais il semble que les chiens sont... Mais les portes étant fermées, malheureusement, ils ne peuvent pas prier. Alors à défaut, ils vont tuer ici et là des bêtes, sans les manger, mais les tuer et puis quoi. Alors, Monsieur le Président, tout ça n'est pas bien sérieux. Et bientôt, nous serons dans une campagne électorale. Il serait intéressant que les citoyens demandent à leur maire, les 34 maires de cette coupe de la Martinique, qu'est-ce qu'ils ont pris, quelles sont les dispositions prises pour éviter, pour mettre un terme à ces problèmes de chiens errants. Alors, Monsieur le Président, je vais terminer en vous disant que il y a quelqu'un qui a perdu une vingtaine de moutons. Cette personne est allée faire une déclaration à la gendarmerie. Et comme vous le savez, tous les gendarmeries rient dans la gendarmerie. Et ces gendarmes se sont mis à rire parce qu'il y en a un gendarme a dit à ce propriétaire, à cette personne qui était venue faire cette déclaration, ce gendarme a posé la question au propriétaire, avez-vous clôturé votre terrain? Alors, vous voyez que c'est risible. Donc, tous les gendarmeries rient dans la gendarmerie. Alors, imaginez que... Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a répondu, le monsieur martiniquais. Il a dit que j'ai 10 hectares, est-ce que je vais clôturer 10 hectares pour éviter que les chiens ne viennent tuer mes animaux? Il y a un problème. Or, les propriétaires de chiens ont souvent des terrains, des petits machins de 400, de 500 mètres carrés ou de 1000 mètres carrés, les villas. Donc on pourrait penser que des dispositions pourraient obliger ces propriétaires à clôturer leur terrain pour éviter que les animaux ne sortent. Non. Mais on demande à celui qui est victime des chiens errants, avez-vous clôturé 10 hectares de terre. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur. Accusé, venez à la barre. Jurez que ce que vous allez dire à la barre de ce tribunal est l'expression de votre intime conviction. Je le jure. Vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Monsieur le procureur. Matele dit Monsieur le procureur que il qu'a dit moins que moni amour ba chien moins plus que moni amour ba ma pas ni nom et considérer ce chien qu'a servi moins. Ne faites pas dire ce qu'on ne vous a pas dit. C'est pas ça il dit. Ah, c'est ça vous comprendre peut-être. Moi je préfère comprendre que c'est pas ça il dit. C'est ça vous comprendre. Mais on a toujours dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, et c'est vrai.
L'homme là, c'est une espèce de hypocrite, une espèce de fait chier, hein, qui quand on merde toute la journée, toute la nuit, chez un pas quand on merde ou. Pourquoi pas chez un manger? Ne généralisez pas votre cas éventuellement, madame. Eh bien, pas généraliser non plus, ben les chiens. Parce que ça qui dit que c'est chien moi qui allait manger mouton muséa. C'est un seul chien qui allait manger tout un troupeau. Chien, probablement, qui allait en groupe, il va aller, c'est des mètres, qui va aller. Et puis, il a dit que si chien a 100 mètres de caillou, il a un chien errant. Mais ce n'est pas tiré qui a habité chez le chien. Moi, ça bien côté de carité. Hein? Moi, je n'ai pas Vauclin. Il était plus que à 100 mètres de Kaili. Alors, chien, il faut couder. Qui moyen chien peut compter 100 mètres, il pas dépasser 100 mètres. Chien, c'est marcher, qu'à marcher, c'est promener, qu'à promener. Ou peut pas pour graber chien pour dire, là où il va mettre dans la rue, là, fait demi-tour. C'est un seul à aller virer, il faut qu'il fait. Il faut que chien fait exercice. Alors, et puis moi, je dis comme ça. Il dit que moi, je suis chien. Oui, moi, je suis chien. Moi, je suis un chien. Et puis moi, je dis deux chattes. Peut-être trois. Ouais, en tout, ça a fait trois chattes. Mais non, en fait, moi, je dis en français, pour personne ne pas prendre qualité, pièce, qualité, parole, et puis moi encore après. J'ai une chienne et deux chats, des mâles chats. Bon. Vous n'avez pas de chattes? Oui, moi, dit des chats. Mais en créole, c'est des chats, tout cas dit. D'accord. C'est pour ça, mon dieu, en tout, ça a fait peut-être trois, on va savoir. Puisque les chats là. Bon. Alors, moi, je pense à. Où est-ce que c'est bête, moi, hein? Chat là? Chat là, qui a couché, le bout de moi. Pas comprendre rien. Il a couché. Soit, moi, dit mal, la chat là, qui a massé, moi. Il a massé, moi. Il a arrêté de m'en mettre dans il a massé, moi. Ça a calmé moi et puis moi pas quand même senti douleur là. Chien y a moi obligé d'y un chien parce que là ils savent moi tout seul je procure là il pas menti pour ça il pas menti moi tout seul caille moi donc faut qu'on y un chien caille moi et moi pas qu'à clôturer caille moi parce que moi pas un mouton c'est mouton qui a un pack moi pas aller à rien barrer moi moi voler pour voir aller en toute liberté, tout côté. Il faut que moi jambé, il faut que moi ouvre la clé, il faut que si on court venir, il faut que moi jambé, clôti, il faut que moi jambé. Non. Moi pas ni pièce clôti, caille moi. Donc, chien connaît limite terrain. Il hein? Faut que moi n'y ait un chien, caille moi, parce que là, on m'en fond, caille là. Et puis, en moun vini, là, il crie, wow, on a qu'à deux bouts, il a attendement arrivé. Moi pas ni moun entre en disant, caille moi, et puis assise, et puis il a qu'à attendement. Puisque, c'est comme ça, on l'a fait. Il y a quand on y entre, caillou, là, pour tout vivre la campagne, caillou ouvert, il y a quand on y entre, puis là, il y a assis, on dit, caillou, quand on y a tout ça, on y. Regarde, là, Monsieur le Président, Madame est, en quelque part, honnête, mais d'une manière inconsciente. Elle dit que, il peut abarrer Kaili, son chien est libre, et qu'elle a besoin que le chien soit libre parce qu'il faut que le chien se... D'accord. Mais le problème, Monsieur le Président, c'est qu'elle n'est pas consciente. Elle n'est pas consciente du mal que pourrait faire, que fait son chien. Elle n'est pas consciente de ça. Elle dit clairement, moi, mon terrain n'est pas barré, il faut que mon chien soit libre. Bien. Donc elle est inconsciemment... Elle est de bonne foi, inconsciemment. C'est rare qu'une femme soit consciente, consciemment. Moi, dis comme ça. Et je termine en disant, et c'est là que c'est grave, Monsieur le Président, pour la société martiniquaise. Le maire peut ordonner que ces animaux soient tenus en laisse, qu'ils soient muselés. Donc finalement, madame fait ce qu'elle veut, dans le pays Martinique, elle fait ce qu'elle veut
Mais oui, mais votre terre n'est pas toute la Martinique. Mais c'est par là toute la Martinique. Et avec la tête que vous avez, vous revenez certainement d'un pays froid et que vous êtes chez vous à la Martinique. Et où sortez côté où? Ah, mais je reviens de la Martinique. Du Lamantin. Ouais, viens, vous virez. Vous êtes dans votre pays, sous votre terrain, vous faites ce que vous voulez. Caïmouin. Et puis tant pis pour les autres. Caïmouin. Voilà la mentalité. Monsieur le Président, c'est pas ce que c'est. Tant pis pour les autres. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que tirez moi pas barré parce que moi pas les pièces barrières, allons tout moi, à un freiner moi. Moi pas les barrières, freiner moi. Ni chien long, pas freiner non plus. Chien pas qu'à aller caille personne, puisque chien m'a montré chien tout côté tiré, et puis il passe, puis il fait pas là, puis il vire. Il est arrivé au bout de chemin, en bout de l'entrée, il a 6 ans, les pattes, il a atteint. Là où il m'a arrivé. Le chien était dressé, madame. Il n'est pas dressé, il est élevé. D'accord. Parce qu'il a 6 ans sur les pattes, il dresse dans les pattes, mais mon chien est élevé. Le chien est plus intelligent qu'elle. Quand où? Le chien est plus intelligent qu'elle. Papi, c'est à Elle a clôturé, elle n'a pas clôturé, c'est 200-300 mètres carrés, sa petite villa, etc. Le chien est à la limite du terrain. C'est où qui connaît le mètre carré, Moni? Concluez, madame Etilé. Bon, donc, comme ça, chez moi, ils savent côté pour y aller, côté pour y parler. Ils sont arrivés au bout de chemin, là, ils sont assis dans les pattes, ils attendent moi. Mais quelquefois, on ne peut pas avoir les surprises. Pendant que vous dormez, votre chien ne sait pas ce qu'il fait. Mais chez eux, là, pour faire la gâte bocaille moyen, c'est pas quand les autres qui allaient, c'est bocaille moyen là, qui a fait gâte lit. Hein? Mais quelquefois, on a des surprises. Quand on filme les chiens la nuit, il y a des tests qui ont été faits. Et ces chiens-là, ils sont tout à fait différents de celui que vous connaissez. Ça dépend de catégorie chien. Ah, vous avez un chien exceptionnel, c'est ça? Moi, j'ai un chien créole, un chien qu'on nous. Ah, ouais. D'accord. Quoi comprendre ça, mon édou là? Merci, madame Etilé. Voilà. Chien ou chienne, c'est pareil. Oui, chien. Je toujours dit que les masculins qui emportent les féminins. Parce que c'est les masculins qui a compté. Donc c'est chien. Moi, j'ai un chien. D'accord. Mais en fait, c'est un chien. Merci, madame Etilé. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'appelle là-bas monsieur Christian Chalut. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Monsieur. L'acte d'accusation m'a beaucoup souri au départ parce que ça me rappelle l'image que j'avais des chiens dans ma jeunesse. Hein. On m'a toujours dit que les chiens, c'était pour rechercher les nègres marrons, enfin garder les esclaves, tout ça. Et à contrario, il y a autre chose qui n'a pas été dit là, c'est que je me rappelle qu'il y a quelques années de ça, dans mon enfance, quand on voyait passer un chien, notre devoir, nous les garçons, c'était de ferrer le chien. Ferrer, ça signifie bailler un coup de roche. Non, mais voyons un roche derrière. Il faut de nous ferrer. Si bien que de nos jours, alors je ne sais pas si c'est inscrit dans le gène des chiens, etc. Si vous apercevez un chien errant ou pas à quelques pas de vous, vous faites semblant de ramasser un caillou et le chien détale systématiquement. Jusqu'à nos jours, c'est comme ça. Donc il y a une transmission de ce traumatisme. Vous savez, on nous dit que certains problèmes aux Antilles, c'est que nous subissons les séquelles de l'esclavage. Eh bien, les chiens subissent les séquelles du ferrage, puisqu'ils ont été ferrés quand ils étaient petits. Par contre, monsieur le procureur a bien raison quand il dit que dans aucune mairie, on ne peut donner d'informations sur la destruction des chiens errants. Depuis une quinzaine d'années, parce qu'il y avait des campagnes dans toutes les communes, campagnes contre les chiens errants, où on annonçait à la radio, dans la presse, un peu partout, que de telle période à telle période, il y aura une tentative de destruction de chiens errants par empoisonnement. Et les communes envoyaient des employés semer des produits sur certaines zones, etc., pour la destruction des chiens. Mais depuis une quinzaine d'années, ça n'existe plus. Donc c'est le moment, à mon avis, monsieur le procureur, qui est une autorité de l'État, devrait faire passer le message avant la campagne électorale pour que tous les candidats maires puissent s'engager là-dessus.
Vous parlez s'engager sur l'empoisonnement de chiens. La destruction des chiens errants. Ou la récupération par des organismes autorisés. Oui, mais les organismes sont saturés. Donc, ils vont les relâcher après. Ou bien les chiens vont s'évader. Il faut les tuer, les chiens errants. Pourquoi je dis qu'il faut les tuer? Quand dans une famille... Euthanasier. Ben, je dis tuer. Pourquoi? Parce que, justement, je voulais faire le parallèle. Quand dans une famille... il y a un chien dit de compagnie qui, par un accident quelconque, agresse le dernier petit qui a 2 ans ou 3 ans. Systématiquement, il est euthanasié. Quand un chien a tué un enfant, la loi prévoit que ce chien n'existe plus. Donc, il est euthanasié. Tandis que les chiens errants, ce n'est pas pareil, il faut les détruire parce qu'on continue à faire des campagnes sur la dératisation. On demande, mais ce sont les riverains qui doivent aller acheter les produits à la Fredon, se mettre sur leur terrain, etc. etc. Tandis que là, c'est, il appartiendrait à la municipalité de continuer la campagne de destruction. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'association pour les rats, pour la défense des rats. Alors qu'il y a toute une organisation d'associations pour la défense, la sauvegarde des chiens. Parce que le chien, monsieur le président, rapporte de l'argent. Le rat ne rapporte pas de l'argent. Le chien est aussi dangereux que le rat, mais il y a des associations, et souvent, ce sont des gens venus d'ailleurs qu'on retrouve dans ces associations. Et également des amis vétérinaires qui organisent ce problème d'association, de cette mafia, bien pensée, attention, hein, parce qu'il faut défendre les bêtes, mais la mafia des associations protecteurs d'animaux. Oui. Alors. Protectrices. Association protectrice. Et effectivement, nous avons eu en quelque part sur la côte Caraïbe dernièrement des incidents. Tout le monde a été informé que quelqu'un s'est plaint et il a trouvé, cette personne a pu trouver environ 1500 signatures. 2000, monsieur le président. 2000 signatures. Parce que des chats errants et chiens errants auraient été nettoyés, hein, pour éviter des problèmes sur une plage de Chelcher. Vous savez très bien le problème des vers de chiens, hein, qui entrent sous la peau des humains qui vont se baigner. Donc quelqu'un a pu nettoyer ça au lieu de le féliciter et de chercher à lui verser une subvention. Non. Ils ont peut-être critiqué la manière, non? Il n'y a pas de manière de nettoyer. Il faut qu'il disparaisse, le chien. Il est errant. Il ne sert à rien. Alors, à contrario, juste avant de terminer, je voudrais raconter à ce tribunal 2 anecdotes. À une cérémonie, baptême d'enfant, dont je me suis présenté, il y avait un invité qui arrivait avec son chien. Alors, l'autre a dit, non, je ne peux pas, ce sont des enfants qui sont là, c'est un baptême, etc. Et l'intéressé dit, ah, mais c'est un chien de compagnie. Donc, l'autre a eu le courage de lui dire, eh bien, ici, il n'y a pas de chien, c'est ton chien de compagnie, tu vas lui tenir compagnie près de la route. Et je trouve qu'il a eu raison. Mais, l'autre cas, avant de conclure, monsieur le président, il faut que le public sache que j'ai eu le malheur d'être invité en quelque part. J'étais à table comme tout le monde et il y avait un chien qui emmerdait tout le monde là. Alors j'ai fait remarquer que je n'ai pas envie de jouer avec un chien quoi. On m'a dit non mais c'est, il est très joueur ce chien justement, mais il n'est pas méchant. Alors il dit bon tant pis, mais je n'ai pas envie de me faire... Et à passer à table, on sert tout le monde et à un certain moment, là écoutez bien, la maîtresse de maison se permet, alors que de temps en temps elle sert les gens, elle prend le pain, elle passe la salade, elle ramasse le chien et puis elle met sur ses genoux et puis elle caresse le chien pendant qu'on sert à table. Eh bien moi j'ai fait semblant d'avoir un petit malaise, une petite diarrhée, n'importe quoi, et je me suis taillé. Je ne mange pas à table avec un chien. Ouais. Donc c'est tout ce que je voulais dire pour cette audience. Merci monsieur Chalut. Et on verra par la suite. Merci monsieur Chalut. J'appelle à la barre madame Jacqueline Lambert. Vous avez la parole, madame. Bonjour, Lambert. Monsieur le procureur, monsieur. Bonjour, madame. Le témoin qui vient de parler
Il avait peur du chien. Il avait peur de ce chien, il avait peur de l'accompagner du chien. Il a plutôt parlé d'hygiène, me semble-t-il. Oui, il a parlé d'hygiène, mais je vais vous faire rire, mais je connais des gens, enfin, j'ai connu quelqu'un en France métropolitaine qui avait un chien, une femme qui avait son chien de compagnie. C'était même pas un chien de compagnie, c'était son mari, vous comprenez ça? Il est juste mort. Parce qu'elle est tombée malade et elle a été obligée de dire au médecin, voilà, c'était mon chien de compagnie, c'est lui le responsable de la mort de cette femme. Je ne vais pas vous faire de dessin, monsieur. Faites-nous un dessin, madame. Je ne ferai pas de dessin. Le chien de compagnie était le vrai chien de compagnie de madame. D'accord. D'accord? Oui, parce que le mari devait partir en France, je crois en Afrique, il a dit, bon, encore, mais comme je ne suis pas là, il va s'occuper de toi. Et puis voilà. Bon. Non, mais vous avez expliqué que le chien est mort, ou madame? Non, la femme qui est morte, hein, parce qu'elle est tombée malade. D'accord, très bien. Le chien de compagnie ne peut pas remplacer un homme, vous comprenez? Merci, ça, monsieur? Nous avons compris. Voilà, vous avez compris. Arrêtez, madame. Je ne ferai pas de dessin. D'accord. D'autre part, c'est toujours encore le témoin qui parle de ferrer un chien. Ferrer un chien, comme elle expliquait, c'est prendre une roche, n'importe, et balancer vers le chien pour le faire fuir. Attention, nous sommes dans un pays où on est très superstitieux ici en Martinique. Vous comprenez? N'allez pas faire un chien comme ça, la nuit surtout, vous ne savez pas. Ça, tout le monde le sait ici en le Martinique. Même matin, pas aller faire un chien monde. Comment? Le même matin, le Huawei. Ou pas ça. Huawei ou pas Huawei. On ne va pas entrer dans les détails. Vous comprenez ça? Parce que les gens. Entrez dans les détails, madame. Non, on ne va pas entrer dans les détails. Vous allez faire un chien. Vous ne savez pas avec quel chien. Mais non, mais expliquez. C'est un peu. Alors, d'histoire. Je vous dis tout de suite. Vous savez. Ce n'est pas des histoires, monsieur. Ce n'est pas des histoires. Nos grands-parents disaient toujours. Il y a des histoires vraies. Mais voilà, nos grands-parents disaient toujours que vous voyez un chien qui passe le soir, vous ne savez pas si c'est un vrai chien. Ou bien un chat. Mais c'est plutôt le chien. Alors, le chien, vous allez prendre une roche, il va se dresser devant vous. C'est ce que les gens, les grandes personnes disaient. Il se dresse devant vous. Et le plus souvent, c'est ce qu'on appelait auparavant, on disait les monstres, c'est-à-dire les... Pas zombies, mais il y avait un nom. Voilà, c'était un autre nom. Enfin bref, quand moi qui suis de Sainte-Thérèse, il y avait une dame qui s'appelait Lolita, là. Elle avait un petit monstre, mais c'était un petit chien. Voilà, c'était faire. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez que les chiens égorgent les moutons, on dit toujours que c'est l'antichrist, c'est ce qu'on appelle les chiens. Les chiens dont parle monsieur le témoin. Bien, pour revenir. Monsieur le président, je suis. Non, mais je n'ai pas fini, monsieur. Non, mais je suis un petit peu dans les vapes, là. Vous êtes dans les vapes? C'est quoi? C'est quoi cette affaire de chien, l'antichrist, là? Monsieur. Qu'est-ce que la religion? Vous voulez m'en dire où? Oui, dites-moi, madame. Alors, l'antichrist, ça, c'est mes grands-parents qui disaient cela. L'antichrist, les gens sont tellement superstitieux ici en Martinique, ils disaient que pour avoir l'antichrist, parce que ce sont les antichrists qui tuaient les moutons dans les campagnes. Alors il fallait attendre le vendredi du saint, le premier œuf d'une poule noire, couver le chien, mettre un babouin, et puis donc l'œuf est nourri, disons, le monstre était nourri par votre sœur. Et il était toujours sur votre épaule. Vous ne le voyez pas, hein? C'est celui qui l'a préparé. Personne ne l'a jamais vu, mais vous y croyez. C'est ça? Monsieur, je vous ai dit que j'ai entendu parler de ça. Vous avez entendu. Monsieur le Président, je n'ai pas vu. Monsieur le Président, je ne vois pas ce que madame raconte là. Je ne dirais pas que c'est des liens. Je ne dis pas qu'elle dit des sottises pour ne pas me faire lyncher. Mais c'est tout comme. Mais je ne vois pas en quoi ce discours vient. Non, parce que là, parler de lyncher. Un chien oui. Qui tue des moutons ou des poules. Mais c'est ça que c'est les ça mon disaient. Problème. Alors, alors qu'il est, monsieur le président, au moment où les agriculteurs essaient d'organiser l'élevage et que les chiens errants tuent les bêtes et qu'on me parle de l'antichrist. Je peux continuer? On me parle de l'antichrist, madame. Oui, mais non, c'est pas. Monsieur, c'est parce qu'il a parlé de. Non, attendez. Elle est siphonnée, monsieur. Non, mais monsieur, c'est ma. Mais s'il vous plaît, elle est siphonnée. Ce procureur, là, je crois que vous êtes. Madame, allez-y à votre conclusion. Monsieur, non, je ne vais pas encore arriver à la conclusion. Oui. Parce que vous revenez certainement du nord de la France, peut-être vous ne connaissez pas. Bref, il parle honnête. D'après, il parle honnête. Enfin, bref. Mais monsieur le président. Monsieur le président, je suis désolé. Et toutes ces femmes qui viennent de la métropole avec des chiens gros comme ça,
Et des chiens qui tuent, qui se baladent en Martinique, qui tuent les animaux, qui empêchent l'élevage, l'élevage qui tue l'élevage de la Martinique. Alors, je vais vous dire, la nouvelle loi, monsieur, la nouvelle loi. Qu'est-ce que ça a à voir, monsieur le président? Monsieur, je suis désolé. Monsieur, s'il vous plaît. Parlons de choses sérieuses. La nouvelle, je parle de choses sérieuses. Bon, bref, ça fait partie de notre histoire. Un peu de sérénité. Alors, je peux vous dire, monsieur, les gros chiens, là, maintenant, la nouvelle loi interdit justement qu'on transporte les chiens dans les avions. J'ai entendu, il n'y a pas longtemps qu'on en a parlé à la radio, vous savez ça. On n'a plus le droit de transporter les chiens dans les avions. Non, mais vous rêvez. Madame, je ne rêve pas, Madame, j'ai entendu cela. Allez à l'essentiel, alors, vos propos, alors, s'il vous plaît. Alors, le chien, c'est l'ami le plus fidèle de l'homme, puisqu'on parlait de... D'accord, mais allez... Il était là pour protéger les esclaves, etc. Bon, bref, toujours est-il le chien. Alors, j'ai relevé dans la note, là, il y a des sanctions qui sont prévues maintenant pour des gens, comme madame, là, qui ne s'occupait pas de son chien. Vous devez respecter déjà vos voisins, respecter un peu le voisinage, respecter parce que le chien normalement doit avoir il doit avoir un collier et le collier, dans ce collier il y a un code et justement à partir de ce collier on sait à qui appartient le chien. D'autre part, le chien doit aussi, la personne doit respecter la loi qui a été mise en place par la municipalité. Méfiez-vous, il y a quand même une loi qui est déposée par la municipalité, puisque vous avez parlé tout à l'heure des élections. Vous allez voir, cette loi-là va ressortir. Hein. Il faut pas laisser les animaux en divagation, parce que la loi prévoit dans chaque municipalité le ramassage des animaux en divagation. Parce que, laissez-moi vous dire, monsieur. Et on ne vous a pas ramassé. Non, pas encore. On n'a pas ramassé vos bêtes. On n'a pas ramassé vos bêtes, madame. Monsieur, je n'ai pas de bêtes. Je n'ai ni chien, ni chien chez moi. Madame Lambert, votre conclusion, s'il vous plaît, votre conclusion. Non, deux je mots. Vais pas finir. Non, allons-y, madame. Non, s'il vous plaît. En tout cas, vous devez tenir votre chien en laisse quand vous le sortez. Quand il est... Et puis, alors, les gens qui ont perdu des moutons, là, c'est parce que leur parc n'était pas clôturé. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Il faut que le parc soit clôturé. Eh bien voilà. Vous n'allez pas laisser vos animaux comme ça, dans l'air, hein, et puis, alors qu'il y a des chiens qui se promènent dans la prairie. Enfin non, ça n'est pas normal. Donc vous avez cherché justement. Bon. Et puis de toute façon, il y a création d'emplois. Lorsque vous mettez des gens pour ramasser les chiens qui sont en divagation, il y a un certain moment, il n'y en avait pas d'Air France à Fort-de-France. Mais c'était création d'emplois. Il y a des jeunes qui cherchent du travail. Prenez-les, mettez-les en fourrière. Il y a la SPA qui s'en charge de toute façon. Voilà. Et si je veux acheter un chien, je l'achète, je peux aller à la SPA et puis je l'achète aussi. Merci, madame. Attention Lambert. Aux chiens. Les gens qui veulent me faire les chiens, les autres. Madame, merci, madame Lambert. Monsieur Martin Severina. On va vous ramasser, madame. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, c'est vrai, après ces quelques de témoins qui m'a précédé, on s'est un peu amusé, mais bon, ce qui permet de revenir à la Martinique. Alors, il était question au départ de parler des chiens, qui, du temps de l'esclavage, servaient à rattraper les marrons, et bien sûr, le chien était longtemps l'ennemi de l'homme, enfin, des esclaves. Et voilà, pas que depuis, à l'issue de l'esclavage, nous avons fini par adopter les chiens, si bien que on a même vu, comme c'est précisé dans l'acte d'accusation, certaines personnes poussaient la plaisanterie à aller jusqu'à ramasser les côtes du chien qu'ils étaient en train de sortir, alors que le chien normalement devait être libre, mais dans une enceinte clôturée. Et on voit ces gens, surtout en métropole, je n'ai pas vu en Martinique, mais avec leurs sachets, poursuivre leurs chiens et ramasser les côtes, parce que bon, il y a un décret, un arrêté de la ville de Paris disant que les côtes de chiens ne devaient pas, comme ça se faisait dans le temps, être sur les trottoirs et dans l'herbe. Moi, j'en ai fait les frais souvent quand j'arrivais à Paris, mettre mon pied dans une côte de chien sur le trottoir. Enfin, ça, c'est de l'histoire, ancienne. Ça porte bonheur, madame. Mais il y en a qui avaient beaucoup de bonheur.
Parce que ça pullule dans tous les trottoirs de Paris. C'est le sujet. Voilà, dites pas, bon, ben, jeune, le chien. Comme l'a dit un témoin qui m'a précédé, le chien, nous étions jeunes et les chiens qui étaient dit errants, enfin, on ne parlait pas de chiens errants, les chiens libres, il ne fallait pas qu'ils soient à proximité de nous parce que, bon, ben, ils savaient bien, le chien savait ce qu'il attendait, il ne passait pas deux fois avec deux, trois pierres. Si on se baissait, le chien savait à qui il avait affaire. Comme on dit, le chien avait un certain nombre de vitesses. Eh bien, il suffisait pour savoir combien de vitesses. En fonction du nombre de cailloux que vous aviez à la main, le chien passait un certain nombre de vitesses et passait et allait. Ça, c'était pour s'amuser, nous étions jeunes. De même comme deux chiens qui étaient les chiens aussi également, lorsqu'ils faisaient le malheur de s'accoupler et qu'ils restaient attachés l'un à l'autre, ils étaient vite déséparés. Bon, on rigolait, on était jeunes, bon, c'est vrai, ça passait. C'était dans le temps, c'était dans le temps. Actuellement, bon, maintenant, vous faites plus attention. Le chien est devenu tellement ami de l'homme qu'on ne puisse même pas y toucher. Y toucher. Chacun a son chien, chacun le considère comme un enfant, l'enfant de la maison. Jusqu'à un point en avoir trop, et là, c'est ce chien. Alors là, on parlait donc, en plus de cette amitié qu'il y a pour le chien, ce chien, il y en a eu tellement que le chien est devenu libre, pour pas dire, mais on a appelé chien errant. Chien errant, on connaît les ravages que font les chiens errants. Mais le chien, avec son propriétaire, je ne peux pas dire un chien errant, le chien quand même garde ses limites lorsqu'il est avec son propriétaire. Je vois que là, dans l'acte d'accusation, on dit ce chien qui est emmené à la campagne pour un peu élâcher, cause des ravages. Mais je pense que non, le chien, c'est surtout la nuit, lorsqu'il est libre, il part en bande, et c'est là que le chien devient dangereux et cause des ravages, tant aux moutons, aux poules, les agriculteurs se plaignent. D'ailleurs, c'est même remonté à notre dernière région, où on avait un conseiller de la dernière région, qui a même proposé de faire venir des chiens. Vous savez, les bergers ont un certain nombre de chiens éduqués. Ce conseiller, qui est de Rivière-Pilote, a proposé de faire venir des chiens pour surveiller les troupeaux de moutons. Alors bon, je ne sais pas s'il a peut-être réfléchi, quelqu'un qui a deux, trois moutons va faire venir un chien qui coûte excessivement cher, avec l'éducation, il faut le donner. C'était un conseiller qui n'était pas éduqué, comme le chien. Probablement. Oui. Donc, de Rivière-Pilote. Oui, de Rivière-Pilote. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Donc, alors je ne sais pas où est passé ce projet de faire venir des chiens pour surveiller les troupeaux. Ensuite, il y a eu, concernant tous ces chiens errants, les communes, bien sûr, ont pris des arrêtés pour pouvoir ramasser ces chiens, s'il le faut, les déposer à l'SPA, les euthanasier, et tout ça de grands projets, mais bon, je ne sais pas s'ils font toujours. C'est juste parce qu'il y a en parallèle, il y a quand même des associations qui veillent au grain. Il n'est pas question qui protègent les chiens, il n'est pas question de toucher aux chiens parce que vous risquez un procès. Voilà. Merci. Donc, je pense que j'en ai dit au début pour le chien. Dans le deuxième procès, je parlerai un peu plus de ces chiens errants et des suites. Merci, M. Severina. J'appelle à voir Mme Valquin, Juliette. Le 17. 24. Vous avez l'air étonné. Pardon ? Vous avez l'air étonné. Une amie des chiens. Vous êtes présente ? Baissez le micro. C'est ce que je vais faire. Donc, vous avez l'air étonné, vous avez été surprise d'être appelée. Non ? C'est l'ami des chiens, elle est l'ami des chiens, madame, monsieur le président. J'ai vraiment pas compris. Bonjour. Que vous avez dit. Non, vous avez été surprise quand je vous ai appelé, c'est oui. Simplement. Mais vous m'avez appelé. Oui, on vous a appelé, vous aviez été étonné, vous étiez étonné. Non, pas du tout, je suis pas du tout. J'étais surprise, mais c'est l'ami des chiens. Vous m'avez pas si vous demandé mon nom, je croyais que vous m'avez oublié. Je ne vous oublie pas, madame Valquin. Non, je ne suis pas très étonnée. Voilà. Vous avez la parole, allons-y. Vous avez la parole. Alors, bonjour, monsieur le président, bonjour. Et au fait. Ne me regardez pas, parce que au fait,
Je vais parler tout d'abord, parce qu'on a parlé longuement des chiens errants, mais je vais parler tout à fait d'autre chose par rapport aux chiens, surtout dans notre société actuelle où le chien est devenu un compagnon pour, de la femme. Pour l'être humain, bien sûr. Compagnon et on de la achète femme. Bien... On a... Et on achète bien des chiens pour dans ce pays industrialisé où les gens n'ont pas le temps de s'occuper d'autres, mais on achète des chiens de compagnie, des chiens pour aider, même comme le monsieur disait, la relation des petits avec avec le chien, ça devient quand même bien qu'il faut respecter le chien. Le chien, mais c'est quand même un animal de compagnie et qui permet aussi d'aider les petits que les grands, même les personnes qui se retrouvent seules, à vivre et à supporter chien sa solitude. De compagnie, à supporter sa solitude. En difficulté, hein, en général. Oui, aussi. D'accord. Mais au fait, on parle des chiens de la campagne qui sont des chiens sauvages. Et au fait, dans les campagnes, il y a très peu de temps, les chiens étaient attachés. Les chiens n'iraient pas dans le paysage de la campagne parce qu'au fait, il fallait respecter la maison de la voisine, il fallait éviter que le chien aille dans le jardin parce que ça tue les poules. Et le propriétaire faisait très attention pour ne pas avoir des problèmes avec le voisinage. Et dans les villes, c'est tout à fait le contraire, parce qu'on trouve les chiens errants, parce que le plus souvent, les gens prennent des chiens et abandonnent ces chiens qui deviennent errants dans les villes, plus que dans les campagnes, je pense. Et que pensez-vous qu'on devrait faire de ces chiens errants, qui échappent à l'autorité du maître? Qu'on peut faire dans les chiens? Je pense qu'il y a des refuges, comme à la SPA, les ramasser... Les mettre en abri pour éviter, parce que ça entraîne, le chien errant, ça entraîne des maladies. Donc il faut faire très attention, parce que quand ça transmet les champignons, on a du mal à s'en débarrasser. Sinon, le chien errant, je ne serai pas pour le chien errant, mais effectivement, les gens qui prennent les chiens, il faut qu'ils sachent qu'il faut les éduquer et puis les aider à vivre. C'est pas normal qu'on abandonne un animal parce qu'on ne peut plus subvenir à ses besoins. Et c'est souvent, je ne vois pas beaucoup ça, c'est souvent des hommes seuls qui se procurent des chiens et à un moment donné abandonnent le chien parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires sur un plan social pour s'en occuper. Mais voilà, donc... ce serait peut-être dur à entendre, mais j'ai jamais eu la possibilité de m'occuper de chien parce que j'avais pas le temps. Et vous n'en avez pas eu alors? Pardon? Vous n'avez pas eu de chien? J'ai pas eu le temps, puis j'ai pas eu le moyen, puis j'ai pas eu de superficie chez moi pour m'occuper d'un chien. Donc vous n'en avez pas eu, vous n'en avez pas non, pris non, parce non, que, pas d'accord. Tout, donc vous ne pouvez pas vous en occuper, ben, vous n'en prenez pas, point. C'est voilà, oui, absolument. Et puis il faut avoir un lieu, votre conclusion, lieu s'il pour vous plaît. Vivre et s'occuper et élever son chien. Et qu'est-ce que je dirais au fait, c'est vrai qu'effectivement il y a une nouvelle loi, enfin pas il y a quelques années, ils ont sorti une loi pour à mettre dans les lieux publics des sacs, des supports de sacs justement pour quand les chiens défèquent dans la rue, qu'on peut, que les propriétaires puissent ramasser les excréments pour ne pas avoir à marcher dedans et à spécialiser. Et quand quelqu'un laisse dans les cours, dans les rues des saletés, des excréments, et ils ont une pénalité. On les laisse pas quand même, on laisse pas ce genre de plaisir aux gens de se promener avec leur chien en toute liberté. Donc il y a quand même un certain respect et une éducation à donner au propriétaire pour donner à son chien aussi, au fait. Voilà. Merci. Vous en avez terminé? C'est bon? Oui, oui. Merci, Madame Valquin. J'appelle alors Monsieur Georgie Cabassé. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, bien, il est vrai, aujourd'hui, il est question de chiens. C'est un sujet qui
effectivement m'interpelle en quelque part, puisque finalement je constate que autour du chien, plein de choses ne sont pas organisées. C'est-à-dire, j'ai entendu M. le procureur parler de la politique publique concernant ce fait-là. Et finalement, ça fait quand même un petit peu... Ça fait tache d'huile dans le puzzle, puisque finalement, on constate que les chiens errants, c'est une organisation, c'est un commerce, c'est une industrie en quelque part. Mais je crois que pour éviter l'errance de cet animal... Attendez, vous avez dit que le chien errant, oui, c'est une industrie. C'est une industrie, sans quelque part. Puisque finalement, il y en a beaucoup qui profitent de l'errance de ces animaux-là pour pouvoir faire de l'argent. C'est simplement... Pouvez-vous expliquer? Je vois pas... Mais les choses sont très organisées. Vous avez, exemple, vous avez une association comme SPA qui récupère des animaux et qui a la possibilité de les replacer, de les revendre. Mm-hmm. Effectivement, ça, c'est une forme de commerce aussi. Ils sont en train de récupérer des animaux en errance. Oui, oui. Et vous pouvez... il faut les traiter. Il faut les absolument. Traiter. Absolument. Et vous trouvez que c'est un commerce. Oui, c'est une forme de commerce. Mais attendez, vous n'avez pas... Vous auriez voulu que ces gens qui travaillent pour la récupération de chiens errants ne soient pas rémunérés, c'est ça? C'est ce que vous auriez voulu. Non, c'est-à-dire que inévitablement, je n'ai pas d'état d'âme à avoir face à ce truc-là, mais inévitablement, reconnaissant qu'il y a un commerce de fait à travers tout ça. Monsieur le Président, par la force des choses, oui. Monsieur le Président, si vous permettez, souffrez que je interroge monsieur, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Ben, écoutez... Le chien errant ou le chien en divagation... Je répète, Monsieur le Président, que tout chien éloigné de son propriétaire de 100 mètres est un chien en divagation. Je ne vois pas quel commerce il y a dans cette affaire-là, dans la mesure où le chien en divagation va tuer 20, 30, 40, 50 moutons. C'est ça le véritable problème. Monsieur le procureur. Je ne vois pas en quoi le chien errant est une source de financière. Non, mais dites des choses que nous puissions comprendre, que le tribunal puisse comprendre. Mais vous êtes en train d'embrouiller le tribunal. Apparemment, vous avez des difficultés de compréhension. Mais non, mais. Vous avez traité tout à l'heure l'accusé disant que le chien est plus intelligent que l'accusé. Mais finalement, vous nous prouvez le contraire. Il est plus intelligent que vous aussi. Vous nous prouvez le contraire, vraiment le contraire en ce qui vous concerne. Vous n'êtes pas plus intelligent que le chien. C'est pas parce que c'est une question de chien qu'on va se mettre à broyer. Comme... Bon, alors on se calme. Il faut. Alors, bon, on va pas éterniser dessus. Mais non, oui. Mais je voulais dire. Alors, je m'explique un petit peu concernant ça. Merci. Ça a été une phase et on Merci. Passe à l'autre phase. C'est vrai que moi. Il y a un commerce de fait qui s'est développé par rapport à un problème. Écoutez, ce commerce-là est entretenu. Il faut dire. Alors vous êtes en train de dire que ceux qui ont créé ce commerce lâchent des chiens errants pour les récupérer, ils font des petits et puis Je vais vous donner des explications qui vont vous convaincre. Oui. Alors, à l'heure actuelle, on constate que vous avez des gens, énormément de gens, qui habitent dans des immeubles, qui ont peut-être quelques petits mètres carrés pour habiter. Ce n'est pas dénigrer des gens, puisque finalement, moi, j'habite dans un immeuble. Mais, en attendant, vous savez, une personne qui habite dans un immeuble, il y a quatre personnes, il y a deux chiens ou trois chiens. Vous pensez que c'est tout à fait normal, ça? Les gens, le plus souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. S'ils avaient des moyens, ils se seraient payés 2 hectares de terre avec une grosse maison au milieu. Mais ils vivent dans des immeubles avec des chiens. Et effectivement, c'est gênant quand on a un chien dans un immeuble. Le plus souvent, ce sont des gens qui ne sont pas responsables. À partir du moment où on prend la décision de se payer un chien, encore d'aller récupérer un chien pour mettre dans un immeuble, il y a une partie d'irresponsabilité dans tout ça. Et à partir de ça, quand les gens se sentent acculés par rapport à l'animal qu'ils ont éventuellement adopté, ils le relâchent dans la cour. Quand ils vont pour faire promener leur chien, personne ne va prendre pièce de responsabilité. Et finalement, ce qui se fait, c'est que ce même chien-là, lâché dans la nature parce que le propriétaire ne peut plus assumer, retourne à SPA,
Et la SPA à ce moment-là, eh bien oui, si vous en achetez, vous pouvez acheter. Et ça, ça crée un commerce. Vous allez me dire que ça, effectivement, ça donne du travail. Mais enfin, bon, je crois que c'est là que ça, le côté commercial de tout ça se justifie. Donc vous auriez voulu que la SPA récupère les chiens et l'euthanasie au lieu de l'offrir ou le financer non, à quelqu'un non, qui non, 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 non. C'est, écoutez, je ne suis pas habilité à définir des politiques publiques. Je dis ce que je vois. Cela n'engage que moi hein, de le dire. Je le dis parce que je le vois. Mais je n'ai pas à dire que X doit faire, Y doit faire ou encore celui-là n'a pas fait. Mais alors, il y a aussi quelqu'un qui disait que effectivement, les chiens qui ont des vers, il y a des vers de chiens sur les plages. Mais enfin, moi je trouve ça un petit peu normal. Avec le taux de chiens errants que nous avons et le taux de restos en se trouvant en bordure des plages, comment voulez-vous pas que les chiens polluent les plages? C'est une forme de pollution. Oui, vous voulez peut-être créer un organisme du style SPA, non? Pour non, s'en occuper. Mais comme je vous le répète, je n'ai pas à dire la politique qu'il faudra mener. Sinon, je serais candidat. Sinon, monsieur le procureur aurait voté pour moi. Mais enfin, bon, j'en doute fortement. Parce que pour voter pour quelqu'un qui aime les chiens, il faut être plus intelligent que le chien. Monsieur le Président, je ne comprends pas ce témoin. Il dit que c'est normal qu'il y ait des problèmes au niveau de vers de chiens là, sous les plages, parce qu'il y a des restaurants, des machins, etc. Il dit que c'est tout à fait normal. Bien. Et vous lui posez la question, comment faire pour régler le problème? Il vous dit, ah non, mais je ne suis pas... C'est pas sérieux. Ah non, écoutez, ce n'est pas sérieux. Écoutez, nous sommes dans un tribunal où on parle de choses sérieuses. Il y a des chiens qui posent problème au niveau de la population, maladie et autres. Il y a des chiens en divagation, errant, tout ce que vous voulez, qui tuent des bêtes. Et vous êtes en train de philosopher, de tourner autour du pot. Ce n'est pas sérieux. Ce sont des hommes et des femmes, probablement comme monsieur, qui font que les choses n'avancent pas dans ce pays-là. Vous, ici dans ce tribunal, oui, j'y vais. Oui. Vous représentez en quelque part la justice, l'État, en quelque part. Hein. Mais finalement, vous me donnez l'impression que vous êtes au même niveau que ceux qui aujourd'hui pondent des réformes et qui disent aux autres comment. Dites-nous comment il faudra faire. C'est juste ce la municipalité, là, monsieur le Président, deux mots pour dire que la municipalité, le code rural et le code des collectivités donnent autorité aux municipalités de faire la loi, d'exécuter la loi en la matière. Donc il n'y a pas lieu de baratiner, il n'y a pas lieu de tourner au-dessus du pot, il n'y a pas lieu, il ne faudrait pas qu'un chien en divagation nous dire que... Le font-ils. Ce sont des constats, monsieur le procureur. Je ne vous inflige pas quelque chose. Merci. Et je vais merci, vous dire, monsieur Georges Cabassé. J'appelle là-bas madame Eliane Parot. Bon, monsieur le procureur, monsieur le président. Hey, quelle vie de chien. Vous en savez quelque chose, hein? Et pourtant, il ne fait pas un temps de chien. D'ailleurs, il fait beau. Bon, alors, chien, où es-tu, chien? Ni des chiens, le cas dit des chiens errants, ce n'est pas tout qui est errant quand il mange mouton, mon hein. Il y a des dents qui ferment là quand ils mettent yo. Et puis, il y a des dents qui ferment dormi. Hein? Et puis, il y a souvent un côté pour passer, il y a sauté ce sont des chiens en divagation. C'est là, des chiens en divagation. Ils ont ni collier, ils ont ni tout le bain, mais ils mettent la quitte au lagio le soir pour aller prendre l'air, comme disait madame. Oui, ce sont des chiens en divagation. Mais, et qu'à partir du moment où le chien est plus de 100 mètres de chez son propriétaire, c'est un chien qui est en divagation que l'on peut tuer. Ça, je c'est pense pas que madame ça, l'a compris. Ma capale ni des propriétaires qui ni chiens là qui ferment.
Et puis chien qui a trouvé un moyen pour y partir, qui a cherché copine ni pas là, qui cherche. Il a fait exactement comme les humains. Eh bien, parce que le chien c'est exactement comme les humains. C'est pour ça qu'il a dit il faut éduquer le chien. Même il faut éduquer non ces hommes là c'est humain. Il faut éduquer chien aussi. Il a cherché ta là, il a cherché ta là. Il tout tabac au lomé. Il a pris rendez-vous en côté à la propriété pour aller manger mon mouton monde. C'est la plupart du temps, c'est comme ça qu'on a fait. Et puis là, il a fini. Et puis chaque monde rentre la caillou. Dès matin, il finit, il a mis, il a passé. Il a dit, mais tout est bien, c'est bien la nuit. Pendant ça, il a trouvé un moyen. Puis il est sorti. Et puis il a allé manger chien. Ça aussi, ni des chiens. Ni des chiens qui ni collier, qui ni noyo, prenant yo, non, d'atteindre sociaux, tout bagaille. Et yo aussi, il a échappé à aller manger chien les autres. Et puis il a viré. Et puis il y a deux qui ni chien, hein, que il a parti. Et puis il a fait même bagaille là. Donc il ne faut pas croire que c'est un qui. Des chiens qui pas ni mettent, hein? Des chiens qui n'y mettent aussi qui a fait ces bagailles. Et la plupart, c'est comme ça. Bon. Alors, vous savez, des gens qui ni chiens, tout le monde ne peut pas empêcher un monde mes chiens, surtout si mon seul, en femme ou bien un homme, ou un petit maman, il a un petit chien pour la Noël ou je ne sais pas, jour anniversaire, il a un chien. Mais si vous pas c'est papa, et puis maman, petit maman, il n'a pas dit chien, tu as dit là, chien, tu là, faut tout éduquer, faut tout aimer, faut tout occuper. Et puis il quitte le chien à la vacation, du vacation comme ça, chien qui a grandi, qui a grandi, qui a grandi, et puis il apprend exactement même messe, c'est humain. Et puis, il a venu en monter, il a venu en voler, il a parti, il a eu tout partout. Et puis, il a venu d'un matin en chien de vacation. Et puis, là, il a parlé, là, il a marre. Et puis, parce qu'on a certains bêtes, certains chiens, quand un chien a tête carrée, tout le monde a ni pitbull, il a ni walk-voleur, il a ni tout calte. Enfin, personne pas ni ressource, bien gardé, monsieur Pokiré, puis monsieur Président, ou pas qu'à avoir pied de chéti chien créole là encore, hein, ça finit, hein. Nous ne pas ces chiens là encore. Hein. Non, non. Nous venons dans le vent. On en voit quand même dans les SPA. Ah, sur l'Hexagone. Si on y s'est pas ni 240 le GT. Non, en ce moment, sur l'Hexagone, j'ai été surpris d'en voir. Ah, ils sont maintenant en France. Sur l'Hexagone, on en voit des chiens créoles vendus dans les SPA. Mais les Antillais vont en métropole. Alors, il y a quand même des chiens créoles là, et puis il y a pas où tourner, et puis en petite bulle. Non, et puis il y a des gens qui ont fait croiser chien. Ils ont pris un chien à l'aide, ils ont fait pitié, et puis en l'autre, et puis ils ont venu des chiens méchants, parce que méchants, et ils ont même pas ça, même éduqué chien. Alors, ni plein de monde qui ont ces chiens à l'aide à présent, et ces chiens à l'aide, ils ont besoin de manger. Et si vous même ça, vous avez touché par moi, ou pas ni assez l'argent pour acheter ces manger à l'aide à chien, parce que comme vous n'avez pas fait manger caillou encore, vous pouvez manger du riz et puis poisson encore, ou pouvez faire chien n'a pas manger zo. Donc, obligé de courir en supermarché, acheter gros viande bail, gros sac de riz, etc. Et au pas là, on peut pas chien. Eh bien, ça y a ces chiens là, je parle. Ça y a fait, mais quand j'en bais pas, quand il mange tout le monde. C'est ça, c'est comme ça que ça fait. Donc, mon ni chien à présent. Bien entendu, je ne peux pas dire que c'est mon nom qui est celle-là, là, et pas ni un petit chien. Mais là, on a deux, trois gros chiens cailloux, sous prétexte, nous parler, voler, venir rentrer cailloux, aux années barreaux, aux années caméra, aux années. On a chien encore, et pour passer au type de chien, t'as là? Eh bien, c'est tout à fait naturel, dès le matin, ces chiens, t'as là, là, on passe à bailler ou manger. Ils ont échappé, ils ont cherché d'autres mondes, d'autres conjoints, copines, copains, et puis ils ont allé voler chien, ils ont allé manger tout le monde. Et c'est comme ça que bagaille là. Il faut dire aussi que à présent, moun vini, m'a dit ça, on aime tellement l'animal qui s'appelle le chien, puisque le chien c'est l'ami de l'homme. Moun ni chien en l'auto, yo pas finette. Chien pas finette, cadeau bonjour, petit chien a dans sa camée, on a marché petit chien à sa camée. Enfin, nous venons plus français qui français, c'est tout ça en délégué. Merci Madame Parot, j'appelle à la barre Monsieur José Charlotte. On sait. Faut faire attention. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le procureur, bonjour. Mais monsieur le président, permettez-moi de dire waouh à l'accusé. Monsieur le président. S'il vous plaît, madame Etilé. Monsieur le président, pour quel motif que l'accusé se permette de comparaître aujourd'hui sans être dans une cage?
Monsieur le président, donnez-moi. Monsieur Charlotte, il y a des gens qui sont enragés. Monsieur le président, donnez-moi le motif juridique qui permet à cette personne de comparaître aujourd'hui librement. Monsieur le président. Vous êtes vacciné contre la rage, monsieur? Je ne fonctionne pas avec. Pas les chiens errants, parce qu'il y a des organismes qui s'occupent des chiens errants. Mais je ne fonctionne pas avec les propriétaires qui ont une éducation dans l'errance. Monsieur le Président, 100 moutons tués à Sainte-Anne par les chiens, 180 en Vauclin, 200 à Rivière-Pilote, 100 et quelques à Ducos, autant au François, autant à Trinité, mais encore. Infirmières mordues, facteurs mordus, enfants mordus, pompiers mordus. Monsieur le Président, même les compagnies aériennes ont pris des dispositions vis-à-vis de certaines personnes qui sont arrivées par avion, puisqu'ils ont eu déjà un problème avec la compagnie aérienne. Il s'avère, au regard de l'accusé, que son visage me paraît très pâle. J'ai pas le sentiment que le Sean Khan, que ses grands-parents ont Madame une vie, très collaboratrice avec les Sean Khan, voire les Sean Coton. Monsieur le Président, il y a des organismes, les communes financent pour s'occuper des chiens errants à travers les communautés d'agglomération. Et le travail se fait très bien. Cependant, il n'y a pas de financement pour les propriétaires qui ont l'éducation dans l'errance. Et c'est là que ça, qu'il y a une faille. Vous voyez, Monsieur le Président, l'accusée, elle vit dans sa villa d'à peine 300-400 mètres. Et elle regarde autour d'elle. Elle dit, voilà, il y a des champs, il y a des élevages. En fin de journée, eh bien, mon esprit va errer. Et je vais faire cela, je vais faire partager cela à mon chien, à mes chiens, 4, 5, 6. C'est comme ça que madame se permet en fin de journée de lâcher ses chiens. Parce qu'elle considère que tout autour d'elle est sous son autorité, avec la bénéficence certainement de la gendarmerie, parce que monsieur le président, vous savez très bien. Si vous avez un voleur sur votre propriété, vous appelez les gendarmes, ils ne vont pas venir. Par contre, quand l'accusé appelle le gendarme, ceci arrive tout de suite, voire même qu'ils mettent la main dans le trou du chien, dans le trou où a été enterré le chien, pour retrouver des puces, pour chercher des preuves, pour accuser l'agriculteur ou le propriétaire. Et là, je trouve ça anormal. Alors, c'est déjà là une raison qui me laisse entendre qu'on ne peut pas laisser l'accusé comparaître sans être dans une cage. Merci, monsieur José Charlotte. Vous en avez terminé, c'est bon. Deuxième audience. Merci, monsieur José Charlotte. J'appelle à la barre monsieur Charles Carlier. Monsieur Charles Carlier. S'il vous plaît, madame Etilé. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, on a parlé de chiens, et en premier lieu, et après on a parlé de moutons. De moutons. D'accord. Donc, je ne peux pas dire que, bon, critiquer le chien, puisque je pense que nous aimons nos animaux, nous aimons nos chiens, et celui qui a des moutons aime ses moutons. Oui. Mais ce que je critique, c'est-à-dire c'est se laisser aller. C'est-à-dire que les gens qui ont des chiens, et comme M. le procureur vient de dire, qu'il a peut-être vu dans un texte de loi qui disait, à partir du moment que le chien s'est déplacé à une certaine distance de la propriété de la maison, donc il devient errant. La divagation. La divagation.
je voulais dire permis. Mais on ignore que le chien, quelle que soit la façon qu'il a été dressé, qu'il est entretenu à la maison, quand le chien se trouve dans la nature, le chien retourne à son état sauvage. Et ce qui fait que les pauvres moutons qui sont sur le passage, les chiens vont l'attaquer, parce que les chiens s'amusent entre eux déjà. Alors quand un propriétaire a plusieurs chiens et qu'il emmène son chien à la promenade et qu'il lâche son chien, puis pendant ce temps, soit il fume sa cigarette ou il s'assit dans l'herbe. Soyez bref, monsieur, pour votre conclusion. Voilà, donc ce qui fait que autant qu'on aime les chiens, on aime ses moutons. Voilà. Merci, monsieur Carlier. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Oui, je disais à la première audience, c'est une affaire de chien. Mais il faudra qu'on fasse très attention. Il faudra que le tribunal relève ce qui est fondamental dans cette affaire. Dans cette affaire, ce n'est pas le petit chien qui est dans un sac, pas ce petit chien qui est dans le sac de la dame qui fait mal. C'est le chien que errant, bien sûr, et le chien en divagation. Le chien en divagation que, comme quelqu'un a dit, va se balader, habite Fort-de-France, dans les bourgs, va se balader à la campagne, il laisse son chien, fume sa cigarette, et puis le chien fait des dégâts. Le chien que l'on libère le soir pour permettre au chien de respirer, dit-on. C'est ce chien-là dont on parle. Le chien qui a fait un trou dans la clôture et qui part tranquillement le soir sans aucun problème, il retourne le matin. Tranquillement. Le chien du propriétaire, comme madame, qui n'a pas clôturé son jardin. C'est ce chien-là qui pose problème. C'est ce chien-là qui empêche aux agriculteurs, aux éleveurs, d'organiser, monsieur le président, l'élevage à la Martinique. C'est ce chien-là qui est l'ami des élus. Parce qu'il y a autant de chiens errants en divagation, autant de moutons tués, comme disait le témoin tout à l'heure, 150 à Sainte-Anne, etc., etc. Mais c'est autant de viande de moutons que l'on va importer, puisque les agriculteurs n'ont pas la possibilité d'organiser, à cause de ce problème de chiens errants, à cause des municipalités, des maires, qui ne prennent pas les dispositions comme leur donne le droit la loi, pour régler cette affaire. Parce que plus on va importer de la viande, plus il y aura de l'octroi de mer, monsieur le président. Voilà la réalité. Donc on a tout intérêt, les municipalités ont tout intérêt à ne pas organiser cela. Parce qu'il est clair, monsieur le président, c'est ni vous ni moi qui avons fait le code rural, qui avons fait le code général des collectivités territoriales, en l'occurrence les articles 211-12 du code rural et les articles 2212-2 du code de la générale des collectivités. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. La loi donne au maire l'obligation, je répète que c'est d'ordre public, monsieur le président, d'ordre public, tout ce qui est d'ordre public, nul ne peut y déroger. Alors il faut qu'on arrête. Et il faut que les Martiniquais parlent clairement, disent les choses clairement, ne pas confondre le petit chien gentil, toutou, gentil, gentil, et puis le chien du salopard du propriétaire qui fait du n'importe quoi et qui tue les animaux. C'est pour cela, monsieur le président, à la deuxième audience, je dirai un peu plus, mais d'ores et déjà, si cet accusé n'est pas envoyé directement à Ducos, et au besoin, monsieur le président, lui donner une prime, un billet d'avion pour qu'elle parte de la Martinique. Parce que ça va créer du désordre
comme d'autres sujets, sont en train de créer du désordre dans ce pays. On est terminé, monsieur le ministre. Merci, monsieur le procureur. Accusé, venez à la barre. Monsieur le président, madame, je ne peux pas comprendre comment on peut permettre un témoin adresser quoi à moi, crier moi, waouh, waouh, que c'est en cage, comme moi, c'est pour là. Moi, c'est un assassin. Moi, c'est un terroriste. Eh bien, nous, c'est un assassin et un terroriste. Nous, ils savent. Vous pouvez virer, moi, c'est le jour prochain. Hein? Parce que moi, je dis comme ça. Maintenant, quand je n'ai pas clôturé, oui, c'est vrai. Mais clôturé, pas dans mes pièces là, je m'ai acheté clôture. Je n'ai pas qu'à travailler. Moi, j'ai un chien, simplement, c'est pour garder petit propriétaire, petit aboufoutier, je vais planter petit bagaille, je vais jardin, je vais faire. Si vous ne réunissez pas toutes les conditions pour avoir un chien, vous ne pouvez pas en avoir. C'est un chien, il faut y a certaines règles à respecter. Pas ni longtemps, vous débattez Martinique. On s'en est ici, madame. Où s'en est ici? Oui, madame. Ou c'est un chien caillou? Ou ni chien caillou? Je ne parle pas de moi, chien. Ou pas de moi, chien? Mais oui, parce qu'on y a l'homme, on y a toute qualité, bagaille, sécurité, caillou, pas besoin de chien. On y va, alors. Mais anti-Yen, Martinique, a propre fond de la campagne. Il n'y a chien, et terrain n'est pas clôturé. Chien, moi. Moi, j'ai un chat qui fait 5 petits. Cette chatte-là, c'est tout petit, toujours, il a tenu peut-être 2 semaines. Ni un chien, un voisin, puis bas, qui vient, bon, la porte, la cuisine, moi, la chien, t'y chatte-là, t'y es, tu chatte-là. Moi, ouais, chien, on l'a tiré, moi, fais photo, chien, moi, descends la mairie, allez, dis-yo ça. Du moment que le chien a tué, il faut qu'on le prenne. C'était quel chien? C'était quelle race de chien? Un chien, moi, attends, croisé, je dis, moi, Mali, noir, et puis, moi, je suis l'autre modèle race. Il y a des chiens chasseurs. Un gros chien. Chien, on dit ça. Chien, on croit au moins 50 kilos. Il y a un collier. Des dogs argentins, non? On parle de dogs argentins, des dogs américains, ou bien des dogs polis, qui ont été payés. Donc, on chante un peu à Malinois, croisé Malinois. Bah, on nous mène quand on fait croiser toute qualité bagaille, et puis on peut pas, il y a de l'eau dépassée, farine, hein. Bet la quand on y parti, on l'a eu, bet la quand on fait n'importe quoi. Chien, on finit bon la porte la cuisine, moi, tu chètes moyen. Gendarme, et la police dit, moi, oui, on va chercher à qui apporter le chien. Moi, je dis, c'est pas en bas, il y a un collier vermi, photo chien, il y a agrandi, agrandi, il y a, et il tient un petit médaillon vert. Moi, je dis, c'est pas en bas, il y a moyen un chien qui a sorti. Il n'y a pas trouvé. En l'autre jour, chien en viré, il monte dans les témoins. Les mots, on dit, monsieur, à point, on m'envoie d'œil. Chien n'a pas couru, comme le commissaire a dit, ça n'a pas vu, chien n'a pas fait ça encore. Chien t'a vu, regardez moi, puis il fait considérer qu'il est bon, dit en l'air moi. Moi, je dis, attends, viens, je vais prendre un coup de temps, en tête, ou quoi, ça veut dire quoi, venir en l'air moi. Chien n'a pas parti, hein? Exactement, c'est un monstre. Là, il m'a vu, il descend. Mon vu, il descend, la police dit ça. Yo dit moi chien c'est à qui moun parce que yo peut pas aller battre tout le quartier pour savoir qui côté chien y est qui moun chien y est donc renseigner comment et qui côté chien qui habite qui moun chien y est donc c'est moi qui pour faire travailler là-bas yo c'est vrai et monsieur le procureur dit comme ça comment dit trop man incapable de canaliser amour alors attends regardez moun ka tué moun. Ou quand on dit maman et maman, il a caché Bekoy bien caillou. Là, il y a plus tout camarade, il a décidé d'aller faire machin, ce camarade là suivre. Hein? Et c'est des humains qui sont responsables, qui ont conscience, qui comprennent. Alors, qui m'en est ou pas, même si on est amour, machin, qui m'en est un chien jaune et puis d'autres chiens, ils sont partis qu'à suivre. Hein? Ou quoi penser que chien un peu, je ne peux pas comprendre. Hein? Moi, je dis trop amour. Ben, chien, comment? Monsieur le Président, qu'il me soit permis de dire tout de même que
si le chien de madame était enfermé correctement. Non, mais chien si pas, pour, madame, faire, pas si fait madame, pour être enfermé. Si madame respectait son chien, si madame était un peu humaine, puisque le chien n'a rien demandé, le chien, son chien n'irait pas rencontrer d'autres chiens pour aller en bande tuer des moutons. C'est ça le véritable problème. Parce que, vous connaissez ça, parce que vous parlez de chien, vous avez un chien, vous avez ça. Madame, si j'avais, monsieur le président, si j'avais un chien, j'aurais eu un parc qui me permettait si j'avais, au si chien j'avais. De rester chez moi. Si c'est j'avais. Ça le problème. Et puis, quand il y a toute la nuit, il y a un chien, un chien. Allez à votre conclusion, madame Etilé. Allez à votre conclusion, allez-y. Conclusion, moi, monsieur le président, c'est que. Chien yon ka pati, ou pe pa empêche chien yon pati, ou ka dormi. Chat la ka pati, le so, ou ka fe, an ki mwen yon ka di sa, bagay ouve feme yon la, chat la ka pati la, an chatche yo. Hein? Yon ka pati le ile, yon ka entre le ile, chien yon se men bagay la. Chat la ka pati, ou pa ka di, chat la ka ale, ka, an plot moun ka senti, et machin. Ou oblige ni yon chien, ou oblige, kite chien yon lib, pou chien yon pe sa pa veni fou, kayou. L'audience est suspendue et reprendra la semaine prochaine.